Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 14 de Racing Channel. Ce mois-ci, il sera beaucoup question de rallye, mais également d'assurance et de Formule 1. Nous nous dirigerons dans la région de Landen, de Clavier, de Spa et de Liège. Partons directement pour Clavier, pour une thématique que nous avons pu aborder lors de la précédente émission. Il s'agit bien évidemment des fameuses boucles claviéroises. C'est un sujet signé Jonathan Mikkels pour JM Vidéo et Box TV. Le 14 février, chacun soigne sa bien-aimée à sa façon. Et pour certains, leur bien-aimée n'est autre qu'une voiture de rallye. Cette année, lors de la manche d'ouverture du championnat provincial liégeois, on peut dire qu'ils en ont eu pour leur argent. La météo n'était certes pas la plus agréable, mais cet écueil nous a permis d'assister à un festival de glisse pour le plus grand plaisir des spectateurs ayant fait le déplacement. Les plus passionnés ont ainsi pu prêter main forte aux pilotes qui se sont laissés surprendre et s'embourber dans le bas-côté. Les pilotes de propulsion n'ont pas eu à se forcer pour nous offrir des passages parmi les plus spectaculaires. Le vainqueur de l'épreuve, Michael Albert, n'y a pas échappé non plus. Heureusement sans gravité, son petit tour par le champ ne l'a pas empêché de hisser sa Mitsubishi Lancer Evo 9 devant un brillant Xavier Busch avec une Evo 10. David Grindorge vient compléter ce podium en division 4. En division 1, 2, 3, c'est Raphaël Beaufort sur sa VW Polo qui monte sur la plus haute marche du podium final, suivi par les Renault Clio de Corentin Tordeur et d'Olivier Martin. L'écurie organisatrice, les Volants, nous avait une nouvelle fois concocté un parcours alliant les passages rapides et les passages plus techniques. Si vous avez manqué cette édition, je vous conseille vivement de vous y rendre l'an prochain, car il se passe toujours quelque chose de particulier à Clavier. Après l'ouverture du championnat provincial, prenons la direction de Landen pour la première étape du championnat du BRC. C'est un sujet signé Mediasport Development, Radio Brouwer Oudenaarde et Full Throttle. Bien connue dans le monde du rallye belge, la ville de Landen, dans le Brabant flamand, inaugure depuis 2010 la manche d'ouverture du championnat de Belgique des rallyes. Bienvenue donc à Landen pour le rallye de l'Aspengo. Une saison 2016 qui s'annonce prometteuse puisque le champion en titre Freddy Loax et Skoda ont la ferme intention de remporter cette épreuve, mais aussi de s'offrir une quatrième couronne consécutive. Peugeot Belgique-Luxembourg à nouveau avec Chris Prensen au volant de la toute nouvelle Peugeot 208 TSR ont également l'intention de remporter une deuxième victoire ici à Landen, mais aussi de jouer la course au titre. Autre ténor à pouvoir jouer la tête du championnat sur la Skoda Fabia de chez GoDrive, Vincent Verscure pourrait compromettre les ambitions des deux pilotes officiels sur l'une ou l'autre épreuve. Alors qu'ils ont dévoilé leur programme il y a seulement quelques jours en WRC2 au volant d'une Ford Fiesta R5 Evo, Cédric Chorin et André Lay étaient au départ de ce rallye de l'Aspengo.
Même s'ils ont opté pour un championnat en WRC2, ils seront quand même présents sur plusieurs épreuves belges. Dans le team Juy Motorsport, seulement deux DS3 R5 étaient au départ, celle de Philippe Steveny et la R5 du boss Jordan Serderidis. Quant à Kevin Demerschkal, il devrait être au départ du Spa Rally au volant de la 3e DS3 R5 de chez Juy Motorsport. Dans le premier chrono, le vainqueur de l'édition 2015, Chris Prensen, arrache le premier scratch et se retrouve leader devant la Skoda de Freddy Loix. Mais après un départ prudent, le pilote de la Lancer WRC, Chris Van Woezel, lâche la puissance de sa Mitsubishi et prend la tête du rallye en signant le scratch dans les trois dernières spéciales de la première boucle. Pour son premier rallye au volant de la Skoda Fabia, Vincent Verschuren, malgré son état grippal, est dans le sillage du trio de tête en signant un quatrième temps à 17 secondes du leader après les quatre premières spéciales. Au départ de ce rallye de la Spengo, en vue d'un test grandeur nature, Cédric Cherin clôture cette première boucle en signant le cinquième temps. On n'a pas fait d'erreur dans les quatre premières. Il faut savoir qu'on n'a pas fait un mètre avant le début du rallye, donc c'est un petit peu une découverte aussi de la voiture. Donc on n'est pas très loin des meilleurs et ça c'est positif. Une première boucle marquée par l'abandon de Philippe Steveny, sorti dans la première, mais aussi de Jordan Serderidis. Sorti violemment, il part en tonneau, heureusement sans conséquence pour l'équipage. La note est à fond, on arrive là environ à 170 km/h. Et donc là, juste après la compression, en fait, la voiture a glissé de l'arrière et je n'ai pas pu la récupérer. Elle est partie dans le champ. Et dans le champ, donc, c'est un sillon. Et on a tapé l'avant et la voiture est partie en demi-soleil. Et puis 5-6 tonneaux, je pense. Après la disparition de la voiture zéro au départ de la deuxième boucle, Freddy Loix refusait de s'élancer, trouvant cela trop risqué. La spéciale 5 était donc annulée. Dans la deuxième boucle, le leader Chris Van Woezel connaît de nouveau des soucis avec sa Lancer WRC et là où l'assistance est interdite, il écope d'une pénalité de 20 secondes, le rétrogradant de la première à la troisième place à 39 secondes de Chris Prensen. Une deuxième boucle qui devient de plus en plus passionnante puisque l'on assiste à un superbe coude à coude entre les R5 de Chris Prensen et d'un Freddy Loix qui intensifie le rythme et va rechercher l'avantage sur Chris Prensen pour quelques secondes au terme de la 8e spéciale. Problème pour Vincent Verschuren qui connaît des soucis sur sa Skoda Fabia et qui perd une minute voyant toutes ses chances de podium s'envoler. Sur sa Ford Fiesta R5 Evo, Cédric Cherin se maintient à une 4e place provisoire à 36 secondes du leader et également bien placé pour profiter de la moindre erreur du trio de tête. Belle performance aussi pour Guino Kenis pour la première fois derrière le volant de la Mini WRC et qui, rappelons-le, était pénalisé par une bride de 30. En groupe N, pas de chance pour Jonas Langenakens alors qu'il effectuait d'excellents chronos. Dans l'avant-dernière spéciale, il est trahi par une perte d'huile sur sa Mitsubishi. Il est contraint à l'abandon. Au final de ce rallye de la Spengo qui comptait trois boucles de quatre spéciales en historique et après l'abandon de Glen Janssens, c'est Robin Mas qui s'impose sur sa BMW M3 E30 devant la MK2 de Dirk De Veux. En moderne, le top 5 de cette première manche du championnat est clôturé à la régulière par la Citroën DS3 R5 de Bob De Jong. Suite au rebondissement de fin de course avec l'abandon de Cédric Cherin sur bride de suspension et après avoir repris l'avantage sur Bob De Jong, Vincent Verschuren reprend méritoirement sa 4e place au général. Pour la première fois à l'arrivée d'une épreuve en championnat de Belgique des rallyes avec sa Lancer WRC,
Chris Van Wunzel termine sur la troisième marche du podium, alors qu'il avait mené les débats pendant plusieurs spéciales. Après une lutte acharnée sur la dernière boucle face à la Skoda Fabia de Freddy Loax, Chris Prensen termine à seulement 10 secondes de la première marche du podium, mais satisfait quand même de son rallye avec la toute nouvelle Peugeot 208 T16. C'est toujours mieux de commencer avec une victoire, mais je suis quand même très content de terminer, de montrer qu'on est si près de Freddy et de la Fabia. Et voilà, qu'on a, j'espère que les autres rallyes, ça va être une belle bagarre aussi, comme ça, jusqu'à la fin. Poussé dans ses limites par la Peugeot de Chris Prensen, Freddy Loax tire le meilleur de sa Skoda et s'empare de la victoire de cette première manche du calendrier BRC 2016, le rallye de la Spengo. Oui, c'était super bagarre et on a dû vraiment pousser pour faire la différence. Chris Prensen, Chris Van Wunzel, même Vincent Verschuur avant qu'il a eu le problème, ils étaient tous au même niveau, on était tous au même niveau et c'est fantastique. Avant de partir pour le Spa Rally, allons à la rencontre de JBB Racing Insurance. Donc c'est un courtier spécialisé en assurance de compétition, mais également en véhicules de caractère. C'est un sujet signé Racing Technique et Box TV. Nous avons profité de notre passage à Spa pour rendre visite à un assureur un peu particulier. Jean-Bernard Blaimont est un des rares assureurs pour les véhicules de compétition. Avec sa branche JBB Racing Insurance, il peut couvrir les pilotes et copilotes en dommages corporels, tout comme il propose des assurances Omnium pour vos voitures tant en circuit qu'en rallye. L'assurance compétition n'est pas réservée à une élite. Toutes les voitures valant plus de 10 000 euros sont assurables en Omnium durant les épreuves auxquelles vous voulez participer, du provincial à l'international. Pensez à vous assurer en tant que personne. Aucun pilote n'est à l'abri d'un accident corporel entraînant une incapacité de travail. Et dans ce cas, on est bien content de pouvoir compter sur l'assurance pour continuer à payer ses factures. Pour les professionnels, c'est très clair, ce sont souvent des voitures avec des gros budgets, des voitures qui coûtent très très cher, des voitures donc qu'il faut couvrir, puisque c'est un patrimoine qu'il faut couvrir en cas d'accident. C'est la même chose pour les amateurs éclairés, des gens qui ont relativement de l'argent, qui savent investir de l'argent dans le sport automobile. Donc les voitures coûtent très très cher au niveau des pièces. La main-d'œuvre est aussi assez élevée, donc c'est encore un capital qui est sur la route, capital important, il faut le couvrir. Et les amateurs, eux aussi, parfois couvrent les voitures, souvent quand ils louent la voiture à une entreprise de location. Donc ils valent 10 000 euros, on a des véhicules qui valent 100 000, voire plus parfois. Il m'est déjà arrivé pour des voitures qui valent 400 000 euros. Donc ça, c'est des gros budgets. Donc on assure, les teams assurent les voitures en dommages matériels. Et puis il y a le troisième volet, qui est le volet dommages corporels, la couverture en individuel accident, qu'on appelle ça, pour les pilotes, copilotes et les participants qui peuvent malheureusement, suite à un accident, être blessés. Voilà, donc c'est les trois volets, responsabilité civile, dommages matériels et individuel accident corporel. On a le volet dommages corporels, et là, franchement, les primes sont très raisonnables, et je suis même souvent étonné, et je profite d'ailleurs de l'émission et de l'interview ici, pour dire aux pilotes, mais assurez-vous vous-même, parce que c'est très bien d'assurer un capital et d'assurer du matériel. Mais si un jour vous êtes blessé en compétition, quoi ? Bien entendu, il y a déjà une assurance individuelle qui est incluse dans les licences, que ce soit les licences RACB ou les licences VAS, ASAF ou VAS, pardon. Il y a déjà une petite assurance individuelle qui est comprise, mais elle est très limitée, puisqu'elle est déjà inclue dans la cotisation que les pilotes payent pour avoir leur licence. Donc à côté de ça, il y a moyen de se couvrir très très bien. Il y a moyen de se couvrir en décès, en invalidité permanente, en incapacité temporaire et en frais médicaux.
Quand vous avez un prêt hypothécaire ou un crédit, ben, souvent, ce risque-là n'est pas couvert. L'assurance compétition dommages matériels des véhicules, là aussi, la prime est facteur de dépend pardon, de plusieurs facteurs qui sont bien entendu le type de compétition, rallye ou circuit. Dans les circuits, vous avez des circuits où la cotation est plus importante que d'autres. Pourquoi ? Parce que certains circuits sont plus accidentogènes. Il y a également la même chose en rallye. Il y a certains rallyes où il y a plus de sinistres que d'autres. Donc la prime peut évoluer. Et la prime évolue aussi en fonction du capital couvert, de la franchise et de l'expérience du pilote. Plus intéressant, la prime est moins chère pour les mêmes couvertures, de se couvrir pour une fois 7 rallyes, ou 9 rallyes, ou 8 rallyes, pendant le championnat de Belgique, une fois 9 rallyes, que 9 fois 1 rallye. À partir de 3 épreuves, la prime est dégressive. Donc c'est plus intéressant, effectivement, de souscrire à l'année que pour une seule épreuve et multiplier chaque fois cette prime par le nombre d'épreuves qu'on compte. Je pense aussi que les gens veulent prendre le risque eux-mêmes. Certains le font, et tant mieux, il y a des gens qui ne sortent jamais, mais personne n'est à l'abri d'une sortie. On en Courvière ou Chengdon, ici à Spa, et ça a été pulvérisé contre un arbre, et tout l'avant est abîmé, j'ai vu la voiture. Donc quelqu'un qui a hypothéqué une partie de sa saison dès le deuxième rallye. Et ça peut hypothéquer une saison, tout à fait. Voilà, vous l'avez compris, les assurances compétition sont un plus indéniable pour prendre le départ à l'esprit serein et profiter pleinement de son sport favori. Restons dans la région pour aborder la Formule 1 avec le super livre de Christian Lahaye. C'est un sujet signé Racine Technique et Box TV. Dans le cadre de la sortie de son premier livre, Le 30e Vrombissant, nous avons rencontré son auteur, Christian Lahaye. Un personnage incontournable puisqu'il a été le speaker officiel de 28 des 30 derniers Grands Prix de Formule 1 à Francorchamps. Son livre, que vous ne pouvez manquer, est truffé d'anecdotes pour chacun des Grands Prix et on y retrouve une mine d'informations concernant les pilotes, les teams, les grilles de départ, les résultats. Un livre tout aussi passionnant que son auteur. Nous lui avons demandé quel était son Grand Prix préféré. Le Grand Prix que j'ai préféré, c'était la victoire de Senna, la deuxième victoire de sa carrière en 1985 parce qu'il était sous la pluie. Et Senna sous la pluie, c'était un phénomène tout à fait particulier. Et les victoires de Schumacher aussi. Je pense que Senna et Schumacher, c'est ce qu'on a fait de mieux en sport automobile et en Formule 1, plus particulièrement au cours des dernières années. C'était deux pilotes exceptionnels, emblématiques, rapides, constants dans l'agressivité et qui gagnaient en allant vite, alors que Prost disait toujours « moi j'aime bien gagner les courses en allant le plus lentement possible ». Chez Senna et chez Schumacher, la volonté d'aller dans la performance était réelle. Donc effectivement, je dirais que les Grands Prix que j'ai préférés, c'était sous la pluie, c'est facile à dire hein, quand on est protégé dans une cabine, sous la pluie et avec Senna ou Schumacher. Tout au long de la discussion, nous en apprenons un peu plus sur la réglementation et les futurs changements à venir. Parce qu'il y a un préavis qui doit être donné, lorsqu'on change une réglementation, elle doit être appliquée pendant 3 ans. Donc effectivement 2014, 15 et 16, donc on ne fera pas de changement à la fin de cette année-ci malheureusement, mais c'est comme ça. Mais je crois qu'ils reviendront à des moteurs plus puissants, plus grands aussi. On sent la passion tout au long de la discussion durant laquelle on a parlé de la rivalité Prost-Senna. À l'époque où ils étaient confrères sur la piste et dans le même team, mais avant ça non et après ça non plus. Donc c'est de circonstances, mais c'était bien réel. Avec cette passion débordante, on s'est posé la question de savoir pourquoi il n'avait pas écrit ce livre plus tôt. Mais je me le demande. Je me le demande. C'est la principale question que je me suis posée. Je me suis tellement plu à écrire ce bouquin, même si j'ai paniqué en fin de parcours en me disant « est-ce que je vais y arriver ?» Pas la peur de la page blanche, mais la peur de la page en retard en tout cas. Et,
Mais j'ai pris tellement de plaisir à le faire que je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt? Donc je dois rattraper le temps perdu, mais ça ne se rattrape jamais. Donc je vais commencer à galoper un petit peu, hein, parce que si ça continue comme ça, j'en ferai plus qu'un. Ah, mais donc on peut s'attendre à une suite à ce... Alors que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, oui, vous pouvez vous y attendre. On y arrive, enfin. Des routes blanches en Ardennes bleue, il a maintes fois changé de nom, mais c'est toujours déroulé en début de saison, et ce, dans la même région. Voici spécialement pour vous, le Spa Rally. C'est un sujet signé Racine Technique, Box TV et Full Throttle. Avec un tracé renouvelé par rapport à l'an dernier, le Spa Rally avait tout pour plaire cette année. Terminer les longues liaisons, le spectacle se recentrait sur la région. Avec un retour vers d'anciennes spéciales des boucles de Spa sur le plateau de Herve, le spectateur pouvait à nouveau suivre l'épreuve sur plusieurs spéciales. DG Sport, l'équipe organisatrice, avait mis les petits plats dans les grands. Le centre du rallye était un passage obligé tant il y avait d'animations intéressantes. On se serait cru dans les belles années du rallye. Des simulateurs de tout niveau, accessibles à tous. Le stand du RACB avec le top du top pour y découvrir le futur Neuville de demain. Bien. En parlant de Neuville, il était d'ailleurs là aussi. Je dois dire que grâce au RACB et ce Rally Challenge qui existe depuis plusieurs années maintenant, même si c'était organisé différemment, moi j'ai pu continuer démarrer ma carrière et puis continuer ensuite pour faire une carrière professionnelle. Pour moi, je suis surtout ici ce week-end aussi pour encourager les jeunes à y participer, à y croire et puis mettre toute leur énergie là-dedans. Et puis je pense qu'il y a une réelle chance pour ceux qui ont le talent de démarrer une belle carrière. Un large panel de concessionnaires exposait leurs plus beaux modèles. De l'animation dans la galerie Léopold, et les assistances concentrées autour du casino venaient compléter le tableau. Dès le vendredi soir, Freddy Loach s'installe en tête de la course, suivi de Chris Prinsen, qui n'a pas l'intention de le laisser confortablement dominer les débats, lui reprenant ainsi la tête de l'épreuve dans la troisième spéciale. Le ton était donné. Au terme de la première journée de course, Freddy rentrait avec moins d'une seconde d'avance sur Prinsen. C'est le couteau entre les dents qu'ils entament la seconde journée, mais très vite, Prinsen se fait distancer. Il n'a pas démérité, que du contraire. Mais avec une boîte de vitesse un peu trop courte, il ne peut rivaliser. Loax a une vitesse maxi bien supérieure à Prinsen, qui, dans la clémentine, doit subir 35 secondes au rupteur, ce qui ne lui laisse aucune chance. Derrière ces deux ténors se joue la course pour la dernière marche du podium. C'est finalement Vincent Voscureux qui montera sur celle-ci et ainsi donner un air de déjà-vu à ce podium final. En effet, c'est exactement le même qu'au précédent rallye Van Asfango. Voscureux a ainsi remporté le duel qu'il opposait à Xavier Busch.
Cédric De Checo, qui prenait pour la première fois le volant de la 208 Turbo 16, vient compléter ce top 5 devant un tout aussi brillant Guillaume Dillet. Dillet, qui aurait pu vraiment créer la surprise sur ce rallye, au vu du nombre de fois où il signe le troisième temps en spécial dans le sillage de Loix et Prinsen. Guillaume a super bien roulé, c'est une reprise, il n'avait plus roulé depuis le Condro il y a 4 mois, nouvelle voiture. Donc sincèrement, je ne m'entendais pas à ça, ça a été un peu en dents de scie, on a eu quelques petits soucis par-ci par-là. Donc on n'est plus que 6e au classement, on a eu un problème de frein qui nous a fait perdre une minute et des choses comme ça, mais en performance, c'est prometteur. Je pense que tout le monde l'a un peu sous-estimé, mais il va vite montrer qu'il est là, j'en suis sûr. Il va falloir le surveiller de près, ce Bruxellois, qui pourrait jouer les troubles faits au championnat. Puisqu'on parle de championnat, en junior, c'est Amaury Moll qui l'emporte sur cette épreuve, ce qui le fait entrer dans le top 5 provisoire. Ce sont les pilotes de R1, Lucas Walbrecht et Anthony Dovifa, qui ont ici effectué la bonne opération en engrangeant un maximum de points et ainsi prendre la tête du championnat provisoire. En BRC, il y a des surprises à tous les échelons. Renaud Broncard alignait la plus petite voiture du plateau et était copiloté par une dame originaire de l'île de Man. Some a lot more gravel here than in the Isle of Man, and I haven't done the forest before, but that's fun. I like that, so it's good. Renaud, que l'on ne voit plus beaucoup en Belgique depuis qu'il évolue en ERC, est particulièrement heureux d'être au départ ici à Spa. It's not too bad. Some words are still in French to help him, so it's faster for him to translate. But some of it's still in English, so it's like compromise. Pour nous, ça se passe super bien, comme hier d'ailleurs. Donc maintenant, les routes s'assèchent, donc pour nous, c'est beaucoup mieux. On prend beaucoup plus de plaisir qu'hier, parce que quand on doit slalomer dans la boue, c'est plus difficile. Il hisse finalement sa petite Nissan Micra à la 44e place du classement général. Autre surprise de ce Spa Rallye, c'est la 15e place générale d'Antoine Luxon sur sa Peugeot 205. En historique, là aussi, c'est une première signée des GSport. En effet, les Isto s'élançaient avant les modernes, ce qui leur donnait une plus grande visibilité et permettait aux spectateurs qui partent généralement avant la meute des Mitsubishi d'apprécier les magnifiques passages de ces mamies automobiles. Au final, c'est François Duval sur sa Ford Escort qui l'emporte devant les Porsche, les régionaux François de Spa et Jean-Pierre Neuhauer. C'en est terminé pour cette émission du mois de mars. Nous tenons à vous remercier de nous suivre et continuer à être si nombreux. Rendez-vous sur notre site internet www.racinechannel.be pour voir et revoir toutes nos émissions.